L'autre, voilà. On le voit un peu souvent. Donc c'est parti. La première fois que je vois ce genre de match-up, du coup, ah bah oui, hein. Ça va être intéressant à voir. C'est pas tous les jours que t'as l'occasion de voir un Dokken déjà. C'est vrai, mais c'est... Ça commence à vouloir jab, mais au final, bah, faire correctement. Ah, c'est... Il a utilisé son autre ami pour se sortir du combo. Comme ça il se prend pas des pourcents un peu gratuitement. Même si en vrai c'est un peu difficile vu la mobilité d'Aegis. Bah, surtout de Misra au final. Bah surtout Misra, parce que Pyra c'est un camion. Donc. Bah... Pyra c'est un camion, mais genre... Quand d'un seul coup elle vient sur toi et qu'elle peut quand même reculer après, et que t'es en mode bah en fait j'allais te punir. Après c'est pas Ganondorf non plus, mais bon voilà quoi. T'sais. Non, bah non. Ah non, ça part oh déjà. Là là. Ah la stop qui part déjà mythe. Ah ouais, c'est Pyra, ça ne pardonne pas. Ah non, oui, en effet, il a suffi d'un donner rugby et puis c'était fini. Ah mais il y a tellement de mix-up valable avec ça là sur le dernier. Ah okay, ouais, hein. C'est terrible. Si c'était pas un rugby, c'était un up smash en toute façon, c'est pas. Ah là, Zenati là, il déroule un petit peu son il déroule sa cuisine hein, écoute. La canette qui l'empêche d'attaquer. Ah, on joue bien avec la canette pour éviter que de se faire combo. Regarde, il reste souvent derrière. Toujours fasciné par cette faculté juste de bien jouer avec la canette et de finalement réussir certains trucs qui sont très impressionnants. Ouh, on a essayé de faire du roll d'Aldino Soccer, frère. Ah là là. Ah. On est en situation de l'échrap. Ouais, c'est difficile l'échrap de Pyra d'en sortir. C'est vraiment une prison le machin. La prison de hitbox, d'épée et d'absolument tout ce que tu veux. Bah le problème c'est que Pyra elle a des moves. Ouf, ok. Ah ça, oui. C'était le petit side B, c'est le side B, non, le cowboy. C'est le down B. Le down B, d'accord. Et vu que c'était le chef et il peut. Le chef de justement de la bande. Bah évidemment, du coup le perso qui tire plus vite. Je crois que c'est le perso qui tire le plus vite de la bande. J'ai entendu parler ouais, qu'il y avait une histoire de. De tireur qui était plus ou moins fort, mais impossible de m'en souvenir convenable. Après, c'est normal. C'est un perso un peu atypique. On voit vraiment que à de rares occasions. Que ici, finalement. À la Rochelle, s'il y en avait un, mais il joue plus beaucoup. Voire pas du tout. En ce moment. Ah, oh, ça a failli être les problèmes. Ah, ce petit down air là qui aurait pu clore la game directement. Là, ça aurait été la fin de tout, la fin d'une vie. Oh, on a essayé de le finir avec le on tente mais... on tente de clipper fort là sur offstage, mais on s'en sort plutôt bien. La canette qui est éjectée d'une façon totalement insolente. Et le dash attack qui finit par conclure cette première game. Ah oui, il lui a foncé dessus, frérot. Hein. Il l'a vu l'aile, il a fait. Aucune pause, aucun buzz. On est là pour voir du sang. Abattre l'ennemi, exactement. Abattre l'ennemi. On n'est pas là pour se poser des questions. Ah non, il a vu une ouverture, il a foncé. Ah, c'est beau. Smash Bros totalement agressif qu'on peut voir là actuellement. Ah, là c'est du Smash Bros. Du Smash Bros qui veut du sang, genre là c'est... Il a vu un chien, il a fait alors. Attends, bouge pas toi. T'as vu l'épisode 1 de Jojo's Bizarre Adventure. Bah voilà, allez. Dans le four. Bam. Ça repart directement sur les chapeaux de roue. Il a pris Banjo, il a counterpick Banjo. Ah, il a pris Banjo. Ouais, il a pris Banjo. Très bien. Ah, il a un banjo, ok. Encore une fois, un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein, Et bah, encore une fois, à la Rochelle-ci. Décidément. Et bah, c'est fou ça. À la Rochelle, on a vraiment des persos bizarres. On est sur un expert des petits match-up pas prévus. Enfin, des match-up un peu inconnus finalement. Wow. J'avoue que c'est. C'est des match-up un peu bizarres. Mais les persos en soi ne sont pas si forts. Genre, mais vu que c'est de la saison finale, il peut me faire mentir. Et aussi, bah, il a Banjo a ce qu'on appelle un side B broken. Comme ce. Bah, voilà, comme Loulou. il a suffi que j'en parle pour qu'il le lâche, tu vois. Mais le smash dans la grenade n'était pas une bonne idée. Ouais, je pense que Zenati ne connaît pas le match. Oh là là. Ouais, ça, j'ai... En plus, il jongle convenablement avec son petit side B.
Non, non, ouais, Zenatchi ne connaît pas le matchup, il va devoir apprendre sur le tas. En plus de bien cover avec ses ouais. petites grenades là. Oh là là ce petit... Oh là là, non mais ce side B qui clôt totalement des stocks à des pourcentages indécents. C'est dingue. Ah oui, ça tue beaucoup trop vite en plus d'être invincible. Aïe aïe aïe. En plus c'est pas contrable, sauf par Sora, mais c'est tout. Ah ouais. Ah, en effet, on me fait signe du coup que c'est aussi contrable par ceux qui ont des commandes grab. Hein. Comme par exemple, c'est un peu la faiblesse de ce coup, c'est que tu peux le grab pendant son coup. Ah, du coup, bah, un side B de Ridley ou de Mi Brawler, bah, ça passe totalement. Ouais, donc, ouais. Ok. C'est bon à savoir ça. Mais si tu le grabes, tu vas quand même te prendre des dégâts. Ouais, mais du coup, c'est quand même mais toi qui... Ça reste je crois... Voilà, dans ouais. Dans l'air, je suis pas grave, donc ouais, c'est... Ouh là là, le jump, le petit jonglage qui a failli passer encore une fois. Mais bah, on commence doucement à remonter du côté de Zenatti, on commence à comprendre comment Femme of Law y joue. Ouh là là, on a voulu être malsain avec cette Pyra là sur ce switch. Ouh, il l'a dégagé avec le side B. Oh non, on a été greedy, on voulait le finir. Ça aurait pu être bien pire, mais ce n'est... Oh, non, il revient sur le stage avec son side B. Il voulait se dégager du ledge. Voilà, du coup, il n'a plus de side B, il ne pourra plus faire ses incroyables petits échanges. Non, ouais, là, va falloir jouer correctement et éviter de cheese. Oh, la grenade. Ouh. Un petit cache de grenade. Après, il a quand même un fer moins 5 on shield. Oh, le big bah, qui tue. Bah, let's go, le big qui tue. Le big qui tue. Le big qui tue. Non, mais ce coup est. Moi, je voulais dire le la qui tue, mais. Est bon, débilement fort, c'est terrible. Ah, ça y est, on a le retour des plumes, donc là, on peut. On peut se permettre de faire des choses. Comme ceci par exemple qui a vraiment failli clore la stock là, vraiment finir la game comme ça. Mais faut pas être trop pressé non plus, parce que ça reste quand même des ressources limitées. Mais bon, j'imagine qu'il arrive quand même à bien se sortir avec. Oui oui. De façon à la faire au moment où on s'y attend le moins. Là, Zenatti tourne beaucoup. Ah, là, j'avoue que je ne m'y attendais pas, en effet, c'est... Zenatti tourne beaucoup autour du grab de Banjo. Hop là, il ne lui reste plus qu'une seule plume. Plus qu'un seul moment pour tenter de clore cette stock avec. Oh là, on a fait un petit missing put, je pense. Ah, aïe, aïe, aïe. Le moment de grab. La dash attack qui, je ne sais pas si elle... Bon, en vrai, oh, à non. 180... Non. Oh, ok. On a... Il a réussi à esquiver. Non. Non, c'est bon, ça suffit pas, ça suffit pas. Ok. On évite de me faire paniquer comme ça, s'il vous plaît. Et voilà, on ment pas ici, c'est bon, hein. Personne est mort, on est. Chacun est à kill pourcent, vraiment. Zenatti ne veut pas mourir. Non, mais c'est dingue, 192 et ça ne meurt pas. Non. Oh, le downer. Ce coup à haut pourcent qui juste te fait cesser d'exister finalement. Oh la vache. Il y a une autoroute de mix-up possible. C'est dommage parce que Femme of Law avait un bon lead et puis il aurait pu juste grab et downthrow l'adversaire. Du coup, tu sais, ça enterre Pyra et Mistra. Ah. Et il aurait pu finir sur ça, sûrement. Il aurait pu. Mais on a peut-être été hésitant, on a peut-être... on était peut-être pas sûr. Là, on est en 1-1. Du coup, on retourne sur... Sur Fidal encore. Oui, on retourne dessus. Bah, ça reste une map de campeur, donc ouais. Bon bah... Bon, Banjo, ça devrait bien se passer. Enfin, bien se passer. Déjà, bon, mieux que sur notre map. Alors, ne crie pas victoire trop vite, parce que ça fait déjà 80% de bid. Ah, ça pas... Pardon ? Excusez-moi. Alors, à l'instant, on me dit que... Wow ! Alors, apparemment, ce side B passe à travers la grenade. Je ne le savais pas. On apprend des choses tous les jours ici, c'est dingue. Ah non, il s'est trompé de sens, ouais. Aïe. Je pense plutôt qu'il voulait faire la grenade. Ah. Parce que gâcher un Wonder Wing alors qu'il était à bas pourcent. La deuxième wing. Ouais, là ça va être compliqué de revenir. Là il a l'air d'avoir bien compris son style de jeu. Ouais. Oh là ça fait des mix-up de l'enfer là, c'est un... Ah, le plan de tilt F-Smash. Waouh. Alors celui-là... Ah. Il l'a empêché de Rico avec sa... Ah non mais c'est dingue. Ah ouais, c'est... ça... Oui, non mais ok, d'accord.
C'est méchant comme ça, genre. Ok. Il a décidé que. Non mais il a décidé. Voilà qu'il le jouerait. Bon. Attends. Il a fait un pas vers le poulet. Il s'est pris le poulet. Il s'est pris le poulet. Voilà, c'est. Voilà. Aïe aïe aïe. Il lui a dit c'est bon, tu me tristoqueras pas la face. Hein, c'est bon, on a compris. Non, oh, mais là, ouais. Ça tente de ces trucs. On est. On veut absolument revenir. On veut finir là. Il a pas le temps là. Il veut rentrer chez lui. Il a quelque chose à faire. Non. Alors, je pense que le up smash passait, mais. Ouais, le up smash passait, mais je pense qu'il était pas sûr des pourcents. Ou alors il pensait que le père tuait. Possible. Le nerf qui est déco. Le poulet qui passe. I'm a bird. Ah, on a plus de wandering, il me semble. Ouais, mais ça peut. Il peut revenir, c'est bon, tout va bien. Le poulet qui devient KFC. Aïe aïe aïe. Ah, 3-0 pour Zenati, ça fait mal. Ah ouais, sur cette deuxième game, il a vraiment montré sa... Ouais.